Et oui, sur Graffiti Urban Radio, cette musique nous appelle au classique. Et donc, on va retrouver eh bien, notre chronique du vendredi avec Loïc Chevalier. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc Chevalier, directeur musical de l'ensemble Erwin List, et puis également professeur au conservatoire. Voilà. Mais surtout, et d'ailleurs, je le dis à chaque fois, mais c'est à ce titre qu'on vous reçoit, vous êtes surtout un passionné de musique classique. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, avec vous, eh bien, on va parler musique classique, on va en écouter aussi, et puis bon, on va apprendre des choses par rapport à ces compositeurs, puisque... Bah, ces compositeurs, ces interprètes, figurez-vous que ce sont des êtres humains. Voilà, c'est exactement ça. C'est très bien comme présentation de rappeler que ce sont des êtres humains et qui sont un peu nos miroirs, en fait. Ouais. Hein, c'est pour ça que je suis tellement convaincu que tous ces musiciens qui nous paraissent quelquefois loin, soit par la culture, soit par le temps, en fait, sont nos plus proches. Ils racontent notre histoire, en fait. Souvent un petit peu plus exacerbé, mais c'est notre histoire. Oui, c'est ça. Effectivement, d'un point de vue musical, on a tendance à penser que la musique classique, c'est très loin. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pas pour... voilà. Bah en fait, peut-être bien que si. Bien, certainement que si. Certainement que si. Même. Hein, et justement, aujourd'hui, on va parler de Schumann. Ouais. Donc, on va aller dans le romantisme allemand. Le romantisme, en général, ça parle assez bien. Je pense que c'est une période qui est assez sympathique à l'ensemble des gens, même quand on n'est pas très, très féru de musique ou de culture en général. Bah déjà, romantique, hein, ça... Voilà, on trouve que c'est bien d'être romantique. Hein, c'est ça. On a l'impression d'être jeune, d'être amoureux, d'être passionné. C'est ça, le romantisme. Hein. Et là, avec Schumann, on est vraiment sur un modèle du genre. Oui. Alors bon, tout n'est pas à garder dans le modèle puisque malheureusement Schumann a terminé dans un asile d'aliénés. Oui, hein, oui. Voilà, on va éviter. Il a tenté de se suicider deux fois. D'accord. Ouais. Voilà, mais ce qu'il a, c'est qu'il a vraiment cette. Il y a deux choses chez lui, c'est la dualité. Oui, alors il était gémeaux, alors on n'y croit pas, mais il était gémeaux et il se sentait parfaitement double. Par exemple, quand il signait des articles dans les journaux sur la musique, il signait soit Eusebius, soit Florestan. Eusebius, c'était le mélancolique. Florestan, c'était celui qui maniait plutôt le fleuret, justement. D'accord. Et il y avait même un troisième larron qui s'appelait Maître Raro et qui était là pour calmer les deux antagonistes. Ça, c'était Schumann, tout ça. Hein. D'accord. Ça me donne une petite idée, quand même. C'était une sorte d'Auguste et de clown blanc avec au milieu Monsieur Loyal. Mais dans le même bonhomme. Hein, ça donne une petite idée de ce qu'il y avait dans la tête, dans le cœur de Schumann. Hein. D'accord. C'était quelle époque, Alors, il est né en 1810. D'accord. Il est mort en 1856. On est en pleine période romantique. C'est une période absolument extraordinaire qui voit naître en même temps, à quelques années près, comment il s'appelle, Berlioz, qui est né juste quelques années avant, en France, et puis après, Chopin, Liszt, Wagner, c'est complètement Mendelssohn, c'est une période incroyable. Période faste. Voilà. Et puis juste après, on en parlera la semaine prochaine, mais juste après, Brahms, qui est arrivé 15 ans après. D'accord. 20 ans après. Et donc, Schumann, il a cette dualité forte, qui est enfin un grand romantique. Il a autre chose, c'est qu'en fait, il n'a pas été un enfant prodige. Il est partagé en permanence entre la musique et la littérature, la poésie. Il va très tardivement décider vraiment d'être... Enfin, il veut être pianiste dans un premier temps. Donc, il a ça, cette passion pour la littérature qui va l'habiter toute sa vie. Et puis aussi un grand amour. Il n'y a pas de romantisme sans grand amour. Forcément. Hein. Et Schumann va avoir un grand amour, Clara, qui sera la femme de sa vie, qu'il va rencontrer alors qu'elle est toute petite, une petite fille qui a 9 ans. D'accord. Et lui, il a quel âge à ce moment-là ? Il a 7 ans de plus, 7 ou 9 ans de plus qu'elle, je ne sais plus. D'accord, donc lui, il était ado. C'est un grand adolescent et une petite fille. Parce qu'en fait, quand il décide de prendre des cours de piano, il va travailler chez un musicien qui s'appelle Frédéric Wieck. Et donc sa fille Clara, Clara est une élève de son papa. D'accord. Et puis bon, au début, bon, il voit une petite fille qui joue très bien, etc. Et puis progressivement, il se rend compte, au bout de pas mal d'années, quelques années, 3-4 ans après, qu'il est amoureux de cette jeune fille. Oui, qui à l'époque a à peu près 14 ans. Voilà, et qui est une virtuose extraordinaire. Mmh. Hein, alors évidemment, on n'a que des témoignages écrits, on n'a pas d'enregistrement. Forcément, mais ouais. Il semblerait que c'était vraiment une virtuose absolument extraordinaire, compositrice aussi. Et ce qui ajoute au romantisme de la question, c'est qu'ils vont attendre 5 ans pour pouvoir enfin se marier, parce que le père Wieck ne voudra pas donner sa fille à... Il va falloir passer par le tribunal pour que Schumann et Clara se marient. Mais donc, les ingrédients du romantisme
Oui, voilà. Là, on est dedans. On est en plein dedans. Alors, pour illustrer un petit peu ça, le concerto pour piano de Schumann, il y en a qu'un, il a écrit un seul concerto pour piano. C'est vraiment modèle du piano, du concerto pour piano romantique. Hein. Ça chante, ça sourit, ça pleure, ça, voilà. Et donc, c'est concerto pour piano et orchestre. Tout ce qu'il a écrit, quasiment, c'est écrit, en fait, pour que Clara joue. D'accord. Hein, ouais. Lui, il écrivait la musique et Clara jouait. C'est la muse, mais en l'occurrence, c'est la muse qui après va. Mais qui après qui crée les œuvres. Concrètement, faire les œuvres. Voilà. Donc, on va écouter le début du concerto pour piano et orchestre par Radu Lupu au piano et l'orchestre de Symphonie de Londres dirigé par André Prévin. Thank you.
c'était donc le début du premier mouvement du concerto pour piano de Schumann, Paradoulopou, et orchestre dirigé par André Prévin. Moi, quand j'entends cette musique, j'ai toujours peine à penser que ça fait 170 ans que ça a été écrit. Ça a été écrit en 1845. Je ne sais pas quelle impression ça vous fait, mais pour moi, c'est de la musique contemporaine, en fait. Ça me parle tellement directement. Aujourd'hui, pareil que quand j'écoutais ça, quand j'avais 20 ans. Oui. Et j'espère que ceux qui sont tombés dessus par hasard, ça leur a fait autant plaisir que... Oui, car vous écoutez bien Graffiti Urban Radio, hein, et non une autre radio musique ou c'est classique. C'est pas France Musique. Ni radio classique, effectivement. Voilà. Mais voilà. C'est ce qu'on disait d'ailleurs il y a quelques minutes. Hein, c'est qu'effectivement, voilà, c'est l'histoire, puisqu'effectivement, c'était il y a plus d'un siècle, et même bien plus d'un siècle. Et demi. Mais voilà, c'est une histoire qui reste d'actualité, on va dire, en tout cas au niveau des sentiments qu'on peut... J'ai l'impression de quelque chose qui sourit dans ce début de concerto, là, un petit peu d'énergie de temps en temps aussi, mais une énergie positive, pas noire, hein, très, 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 oui, vraiment positive, et pleine de sourires. On va se balader au bord du Rhin, quelque chose comme ça. Ouais. Hein, et dire, la promenade aujourd'hui est la même. C'est un être humain très, très vivant, qui a vécu des choses très, très fortes, qui nous raconte une histoire qui est universelle et au-delà du temps. Mmh. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Schumann, justement, au moment de son concerto au piano, il en a écrit qu'un, mais il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le piano. Comme je disais tout à l'heure, il a voulu être pianiste. Finalement, c'est Clara, sa femme, qui va être la pianiste, parce qu'en plus, il a eu une très mauvaise idée. Schumann, à l'âge de 20 ans, il a décidé qu'il allait... il s'est fabriqué une machine pour s'aider. Parce qu'on a les pianistes, on a toujours une difficulté avec l'annulaire des deux mains, qui est un petit peu physiologiquement lié au doigt d'à côté, qui manque d'indépendance par rapport aux autres, physiologiquement. Alors, il avait trouvé un système, avec une machine, il s'est accroché, je crois que c'est le majeur, il a accroché son majeur à une ficelle pour faire travailler de force son autre doigt. D'accord. Sauf qu'il s'est bloqué la main, voilà. Ouais, donc, c'était pas une bonne idée. Donc, il n'a jamais pu être concertiste comme il en avait rêvé. C'est ce qui fait que certains disent que c'est parce qu'il a fait ça qu'il a été compositeur. Mmh, d'accord. Voilà. Bon, une bonne illustration, en tout cas, du mieux étant l'ennemi du bien. Là, en l'occurrence, ce n'était pas une très bonne idée, effectivement. Ouais. Mais aussi, grâce à ça, et le fait que Clara était là pour créer toutes ses œuvres, on a une profusion d'œuvres pour piano de la part de Schumann. Bon, on ne va pas s'en plaindre. Non. Et d'ailleurs, dans cette chronique, ben voilà, les extraits musicaux vont par deux. Alors là, on a eu un extrait, le premier qu'on vient d'écouter, assez guilleret, j'allais dire, en tout cas, plutôt positif. Ça, c'est rien de le dire. Le deuxième extrait, on va être dans une autre dynamique. Tout à fait autre chose. Dans la même idée, l'idée que Schumann, c'est le grand romantique, avec cet amour, parce que cet amour pour Clara, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Il a aimé toute sa vie cette femme-là. Il a attendu 5 ans, au moins 5 ans, avec procédure, etc. C'est vraiment une... Oui, vous l'avez dit. Il y a quelques minutes, c'était pas simple. Voilà, ils se sont vraiment aimés jusqu'au bout. C'est un couple, il y aurait presque modèle de cette époque-là. Et donc, il a écrit aussi beaucoup de Lieder. Alors, les Lieder, hein, c'est le pluriel de Lied en allemand, ça veut dire des chansons, des chants. Hein, donc, des pièces pour un chanteur ou une chanteuse accompagnée par le piano. Et il a écrit sur beaucoup, beaucoup de poètes de l'époque, plus ou moins célèbres, voilà, et de plus ou moins bonne qualité. Poème, mais la musique, elle, est toujours complètement exceptionnelle. Et il a écrit sur des poèmes qui s'appellent « La vie et l'amour d'une femme ». Là, pareil, on parlait d'universalité. Évidemment, donc ça parle à tout le monde. Et puis, ça parle, on pense à Clara, encore une fois. Hein. Et les deux leaders qu'on va écouter, le premier dit « Depuis que je l'ai vu ». Alors, c'est la femme qui parle. Hein. « Depuis que j'ai vu cet homme, j'ai l'impression d'être aveugle. Je ne vois plus rien, je ne vois plus que lui. D'accord. Je ne rêve plus que de lui. » Et le deuxième dit « Lui, c'est le plus beau de tous ». Oui. Donc le résumé est très, très vite fait. C'est vraiment le romantisme par excellence. Et c'est chanté par Kathleen Ferrier. C'était une chanteuse anglaise qui est morte jeune, mais qui avait une voix de contralto absolument extraordinaire. Donc c'est un disque assez ancien. Elle est accompagnée par John Newmark au piano. Et la voix, là aussi, de cette femme est absolument vraiment bouleversante. Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich ihn nur blicke, seh ich ihn allein. Wem wachen Träume, schwebt sein. Bild mir vor.
nicht und fahr bloß alles mich her. Nach der schwersten Spiel nicht begehr ich mehr mich der Liebe weinen still im Kämmerlein. Seit ich voilà, j'ai l'impression que
Être aimé comme ça, comme la dame le chante là, c'est de toutes les époques. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on me chante ça. Hein. Oui. depuis que je t'ai vu, je vois plus personne. Tu es le plus beau. C'est pas mal. Hein. C'est assez agréable à écouter. C'est assez agréable à entendre. Hein. Donc, c'est ça. C'est dans le sens, c'est une musique très contemporaine parce que c'est ce qu'elle dit. Et je trouve, il me semble, la façon dont elle s'est chantée, ça peut encore nous toucher. C'est ce que j'espère. C'était donc des extraits de La vie et l'amour d'une femme de Schumann par Kathleen Ferrier avec John Newmark au piano. Ben voilà, pour cet extrait de quelques œuvres, hein, parce qu'évidemment on n'aurait pas assez de temps pour tout écouter, mais voilà, un extrait de cette œuvre de Schumann donc. Voilà. Et puis ben, on va poursuivre dans quelques jours, hein, puisque ce sera la semaine prochaine. Voilà, et on parlera de Brahms la semaine prochaine. On parlera de Brahms, ben oui, parce qu'évidemment il y a un lien entre Schumann et Brahms, voilà. Je dis évidemment, mais si vous n'êtes pas un expert comme je le suis d'ailleurs, eh bien vous en saurez plus la semaine prochaine. Voilà. Merci revenir. Beaucoup, Loïc Chevalier, à la semaine prochaine. Bonjour, l'ensemble Hervinis est heureux de vous présenter ces chroniques musicales enregistrées il y a quelques mois grâce à Graffiti Urban Radio et à Benjamin Allaire. Nous espérons qu'elles vous plairont et qu'elles vous apporteront un peu de réconfort pendant cette période difficile de confinement. Prenons rendez-vous donc chaque mardi à 17h30 pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez un smartphone, il faut activer la cloche. N'hésitez pas à poser des questions sur l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de nos anciens concerts, soit sur Facebook, soit sur notre chaîne YouTube, Ensemble Hervinlist. Et nous espérons vous retrouver mardi prochain à 17h30. À bientôt.